Salut, c'est Striki. Ah, j'espère que vous allez bien. On poursuit l'aventure Sol Mask, super jeu de survie, l'épisode 10 déjà, ou il était temps. Je sais pas, ça dépend, mais vu le temps de jeu que j'ai, j'avance le plus rapidement que je peux pour vous proposer du contenu et essayer de garder un petit peu de qualité. J'espère que ça vous plaît toujours. Et donc, comme je l'avais dit, je suis allé chercher dans le dernier épisode de l'étain, du cuivre. Je suis retourné en plus chercher de l'étain, puisqu'il en manquait par rapport au cuivre. La dernière fois, il manquait des pioches, donc j'y suis retourné avec plus de pioches. Attention, vu que je joue en solo, je me suis dit, si je déco, il fallait que j'arrête. Donc j'ai déconnecté la partie, j'ai quitté le jeu dans la mine d'étain. Quand j'ai reconnecté le jeu, tous les barbares de la tribu de pierre, là, tous les gardiens avaient repop, donc j'ai failli... Alors moi, ça a été, Def est passé... Enfin, j'avais emmené Def avec moi, comme d'habitude. Ça va, elle s'est mise dans le coma, elle a réussi à reprendre sa vie toute seule, ça a été chaud, mais on a survécu. Donc attention à ça, si vous déconnectez dans un endroit, comme un camp barbare ou quoi que ce soit, même si vous êtes sur un serveur solo, a priori, ça peut vous poser des soucis. Voilà. Donc on va faire tout ce qu'il faut en bronze dans cet épisode, et puis ensuite on va aller au camp de barbares, là, essayer de tuer le boss, mais avant ça, je vais vous donner 2-3 tips. Alors, premier élément, alors les 3 éléments que je vais vous donner, merci à Haussmann qui me les a indiqués. Premier élément, hop, ici là. Alors il y en a plein, il y a des tablettes anciennes. Les tablettes anciennes, je vais essayer de vous mettre une capture d'écran ou un petit bout de vidéo là, sur le montage si j'y pense. Et, alors là, c'était sur un site antique, donc j'en ai trouvé un ici. Il y en a plein à trouver a priori. C'est quand vous faites, je ne sais plus, voyage, voilà, pardon, autant pour moi. Quand vous faites L, voyage, ici la tablette de pierre. Donc là, j'ai trouvé celle-là. Alors en soi, ça débloque juste des éléments de voyage, mais vous voyez, il y a 110 tablettes anciennes à trouver, 23 tablettes sacrées. Quand vous en trouvez une, ça donne un point de technologie. Donc mine de rien, c'est pas si mal. Ça ressemble à une tablette, une pierre gravée dans un site antique. Voilà. Deuxième élément très important, j'avais pas fait attention, c'est sur la durabilité. La durabilité de tout, en fait. À chaque fois que vous réparez un élément, que ce soit un outil, une arme ou une tenue, elle perd en durabilité. Par exemple, là, bah justement, je reviens de la mine. Donc, la pioche, je vais réparer la pioche. Hop. La pioche en os de bête. Donc, vous voyez, la durabilité, là, elle est plus qu'à 2916 pour un niveau 4, déjà. Quand j'ai pas d'os de bête ici, on récupère. Est-ce que... Tac, donc maintenant j'ai de quoi réparer ma pioche en os de bête, et en forcément ça va pas être là parce que là je suis pas au bon établi. Hop, c'est vrai, je me sers jamais à l'étage du poste de réparation, c'est peut-être plus simple. Hop. Alors voilà, 2916, donc si je le répare, tac. On est plus qu'à 2624, c'est énorme. On perd peut-être c'est 10% à chaque fois en fait. 2916 moins 10%, on aurait perdu 291 grosso modo. Ouais, c'est ça, on perd 10% à chaque fois qu'on répare. Donc vraiment attendre. Je pense que l'outil soit vraiment usé au max. Moi, j'avais tendance aussi par exemple là. Et la lame en os, elle a réparé tout de suite, mais ça fait que je perds tout ça à pouvoir l'user avant de la réparer, et je perds je perds la durabilité sur mon outil. Du coup, faire gaffe à ça malgré tout. Tac, alors ça d'ailleurs, les outils, je vais laisser là. Ça me fait penser que des fois je mets des outils ici et ça marche bien. Vous pouvez mettre des outils en stock, et quand les outils de vos tribesmen justement sont cassés, ils viennent les chercher.
marche plutôt pas mal, ça, il n'y a pas de problème. La Manos, on va garder celle-là pour aller au combat, là, justement. Tac, 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 j'ai ce qu'il faut ici. Alors, niveau bronze, du coup, là, on va voir ce qu'il faut. Simplement avoir ce qu'il faut. Alors, j'ai essayé de vous prendre des vidéos de d'augmentation d'attributs pour faire perdre ou gagner des... Enfin, perdre des malus ou gagner des bonus, j'y arrive pas. Le seul que j'ai eu, c'est celui-là, là. Et depuis, à chaque fois que je fais monter, pourtant, vous voyez, Pierre est bien monté. Primera aussi, mais j'arrive pas à faire perdre un malus ou quand j'enregistre. Enfin bref, petit aparté. Du coup, là, ce qu'on va pouvoir faire, donc ça va être plutôt bien. Les outils en bronze, les armes en bronze, on va pouvoir augmenter. Il va falloir même augmenter l'établi de menuiserie niveau 1. Donc il me faut 15 lingots. Hop, on va aller chercher les lingots. Là, j'ai Pierre, le pauvre, il va travailler. Regarde tout le minerai qu'il y a à faire. Bah, est-ce que ça me fait trop lourd si je... On va en prendre qu'une centaine pour le moment. Okay. On va prendre le cuir. Il fallait du cuir aussi. Normalement, j'ai à peu près tout préparé. Je ne vais pas manquer de grand-chose pour faire tout ce qu'on a à faire. Tac. Et il fallait quoi d'autre du coup? Allez, 5 manches en bois. Je vais prendre les manches en bois. Tac. 5 directement. Voilà. Tac. Normalement, du coup, là, on a ce qu'il faut pour... Alors, ça va être à l'établi de construction, je suppose. Menuiserie avancée, on le fait atelier de construction. Ouais. Ça, et ça s'appelle un composant d'établi. Hop, direct. On va faire 50 trucs. Ah, 1 minute 30. Ça, c'est fait. Tac, on a. On va pouvoir déjà... Bah, il est là. Tac. Donc voilà, ça va nous permettre... Je le fais dans l'ordre, hein, c'est pour ça, ce n'est pas forcément la priorité, mais au moins c'est dans l'ordre. Les outils, donc ça c'est... non, c'est pas là, c'est bon. Les outils en bronze, c'est bon. Alors je pourrais débloquer ça, on verra plus tard. Collecteur avec tube, ça permet quoi? À l'intérieur des arbres. Ah ok, cool. Collecter du liquide. Niveau d'intensité 25, de conscience, ok. Tannerie intermédiaire, on va voir si on a des points, parce que ça, c'est pas la priorité. On va faire là, après au pire, le reste. D'intensité 30, tout ça 25, abattage 25, 25, et on va pouvoir débloquer quand même pas mal de trucs, je pense, en fait, parce que j'ai 16 points quand même. Les armes en bronze, on va garder les points pour les armes, c'est quand même le plus important. Donc là, c'est pareil, on va pouvoir avoir le composant pour faire la fabrication d'armes niveau 1. Il va me falloir 5 moules en céramique et des blanches en poids dur. On va débloquer ça, on va débloquer, pardon. Le grand arc 11. Tac. Je peux faire des flèches en pierre de grande taille. Ah, les meilleures flèches, cool. Os de bête, branche, plume. En plus, c'est plutôt pas mal. Alors, les flèches en bronze, je sais pas si... Enfin, ça nous demande de farmer beaucoup de cuivre et d'étain. Il faut déjà réparer. Enfin, on va déjà faire ce qu'il faut. Je pense que les flèches en os. De bêtes, c'est pas ce qui manque, des branches, c'est pas ce qui manque, des plumes, c'est pas ce qui manque, donc je pense que c'est déjà pas si mal. Donc ça, on va se faire le bouclier, évidemment, la lame, je pense. On va rester sur bouclier, lame et double lame. On va rester là-dessus. Là, j'en avais, je pense que c'est ça que j'avais looté. Et l'équipement, faut être niveau 25 de toute façon. Donc là, arme, il va falloir augmenter ça, composant. Donc les lingots G, moules en céramique 5, et planches en bois dur 20. Planches en bois dur, là. Il en faut 20, on a dit. Okay. Et il faut 5 moules en céramique. Tac, L. Et donc là, bah c'est pareil, ça va être... Je suppose.
Fabrication d'armes niveau 1. Tac, et c'est reparti pour 1 minute 30. Tac, ça aussi c'est bon, super. Alors, niveau d'armes, il est juste là. Pour l'améliorer aussi. Qu'est-ce qu'il me dit? Tac. Et ajuster la position. Ah, il doit falloir bouger, ça prend plus de place. On peut peut-être décaler un petit peu tout du coup. Je sais pas combien de place ça prend en plus. Tac. Et ça modifie le poste de travail, parce que ça ajoute des éléments, ce qui n'est pas plutôt logique en soi. Et là, j'avais de la place, c'est plutôt pas mal. Et puis au pire, on mettra. On me sert un petit peu de tout ici, donc c'est vrai que. Ok. Ah. Je sais pas de quel côté. Ce serait bien qu'ils nous disent de quel côté ça va au final. Là, c'est bien collé, c'est plutôt pas mal. Alors, est-ce qu'il y a la place là? C'est bon? Okay. Non, toujours pas. Alors, peut-être que ça va sur la gauche. On va le mettre, on va essayer de le recentrer un peu plus. La rigueur, on verra comme ça. Il y a de la place des deux côtés. Ça. Tac. Et ajuster la position du poste de travail. Je veux bien, mais qu'est-ce qui. Alors, on va faire autrement. Ici. Tac, tac. Là, il est d'accord. C'est du combustible. Ah, maintenant, mais. Ah oui, d'accord. Ok. Oui. Dernier coffre, là. On va le déplacer. Hop. Ouais, ça devient. D'accord, ça devient du sérieux là. Alors, je peux le mettre à travers quand même. Pour essayer parce que si ça le met et que ça bug. Ah là. Ok. Ouais, c'est plutôt sympa ça. À part du combustible, c'est pas ce qui manque. On va redécaler un tout petit peu ça. Des fois, il y a des trucs que je comprends pas bien sur le. Quoi qui gêne. Alors, en combustible, ouais, c'est vraiment pas ce qui manque. Hein. On est très, 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 très large. Prendre. Quoi? Ouais. Quelques heures de bois. Ah, du charbon. Charbon de bois, charbon et coke. Ah, j'ai pas anticipé ça. Je n'ai pas du tout anticipé ça. Oh, je dis. Ah, charbon de bois, si c'est là. Ok, cool. Tac, avec quoi il fait le charbon? Des branches, des bûches? Ce qu'il veut. Ok. Un charbon, on va en faire un petit peu. Hein. 1 heure. Charbon, cendre, non, ça marche pas. Ah, attends, on va regarder combien un charbon ça fait déjà. Def, elle va en faire, c'est pas grave. Là. Tac. Voilà. On va prendre les deux charbons qu'on fait, on va voir combien de temps ça tient. Est-ce que ça suffit juste pour faire le peu qu'on a? En attendant que Def fasse comme ça. Tac. Ah ok, je me demandais à quoi servait le charbon. Bah voilà. 2 minutes. du coup, alors, qu'est-ce qu'il nous faut maintenant? Bouclier en bronze, il me faut du. Ah bah j'ai cuir, j'ai manche en bois dur. Donc nickel, bouclier. Je pense que ça va nous être bien utile. Et quoi, du bronze, on va reprendre le bronze, lingot de cuivre, ah, j'en ai beaucoup, on va arrêter les lingots de cuivre pour refaire surtout du bronze. Ouais, c'est ce qui va manquer le bronze, donc. Enfin, en théorie, je peux en faire, il en faut combien? Le bronze, c'est 1 et 1, 1 d'étain. Donc cool, je peux faire 40, je peux en faire 40 directement.
40. Voilà. Va me faire les 40 bronzes comme ça. Donc là, j'ai ce qu'il faut en bronze, normalement. Je vais pouvoir faire. On peut pas faire l'armure encore, donc il va pas m'en falloir tant que ça. Bouclier. Allez. Et. J'avais pas mis le charbon. Il a disparu. Il a disparu ou c'est moi? Oh, je l'ai plus là. Et où mon charbon? Charbon de bois, charbon, on est d'accord? On avait. C'est riche en effet. Qu'est-ce que c'est pas ça? Def, tu fais quoi là? On va avoir besoin de toi. Ce que je fais, je refais un peu de charbon, je prends 5 minutes pour faire du charbon, et puis on va aller faire ça comme ça. Def, elle se repose. Je l'ai emmené beaucoup en combat, elle se repose. Que là, j'ai pas eu de chance. Ah, c'est bien ça. Grand arc en bronze, niveau 4, pas mal. En fait, du coup, j'ai trouvé pourquoi ils ont disparu. C'est quand on active, automatiquement, ça en fait perdre 2. Ça fait perdre du coup les 2 minutes qu'il y avait. Donc c'est pour ça que ça avait loupé. Là, j'ai fait du coup, alors bouclier niveau 1. Là, je peux peut-être en faire une autre. Ça vaut peut-être le coup. Allez. Ce qu'il y a, c'est que le bouclier niveau, même niveau 0, on va dire. En bronze, du coup, en taux de réduction, il a 85 et en baisse de réduction d'endurance, bon, il a 15. Donc, taux de réduction des dégâts d'armes, 85%. Quand je regarde celui en os niveau 4, il est à 80%. Donc, au final, il est quand même. Même le niveau 0 en bronze est mieux que le niveau 4 en os. Donc, c'est plutôt pas mal. On va garder les deux. Je vais garder comme ça si ça s'use. La lame, c'est pareil, dégâts d'armes, elle est à 45, et là, elle est qu'à 36. Même le niveau 0 en bronze est mieux que le niveau 4 en os. On va la prendre aussi, elle, ça fera une deuxième de rechange pour le combat s'il faut. Et l'arc, pas pris l'arc. Il est là. Tac. Voilà, donc lui, par contre, 54 de dégâts d'armes et là 30 de dégâts d'armes, donc c'est vraiment énorme. Réduction d'adhérence 8, ténacité 8, consommation d'endurance 6, 3, un peu plus. Ok, multiplicateur d'attaque 15, donc 36. Le grand arc là il vaut vachement le coup hein, par rapport à l'autre niveau 4 là, ça fait une super différence. Ah, par contre, du coup, les flèches là marchent plus, d'accord. Alors, ouais, faut que je fasse des flèches, la lame, la lame, la lame. Oui, une lame. Enfin oui, on est content. On a une lame niveau 1, c'est toujours mieux. Du coup, par contre, il faut que je fasse des flèches. Alors, je veux pas faire des flèches en bronze. En pierre. Il faut quoi en pierre? Il faut du silex. Et les plumes, j'ai. C'est x3 uniquement. On va prendre les deux, de toute façon. Je vais prendre du silex et puis je vais faire pas mal de pierres. De flèches. Bon, j'ai eu de la chance puisque j'ai réussi à avoir les lames doubles en bronze niveau 4 du premier coup. Donc ça c'est plutôt cool. Je me dis je vais garder parce que les flèches ont. Enfin, voilà, ça consomme quand même pas mal. Donc on va garder le grand arc quand on sera à la fin vers le boss puisque c'est pas si simple dans le camp, vous allez voir. Et au début, l'arc long en os, je pense que ça suffit. J'ai vraiment beaucoup de flèches. Donc ça suffira. Voilà, on a amélioré un petit peu notre équipement au niveau des armes. Alors, on va partir avec F. Tac. À la base, c'est vrai que j'avais dit que c'était plutôt Arrow. Servirait pour le combat à distance. Mais Def, c'est vrai que bah, elle me suit partout. Et oh, pas mal. Enfin, j'aime bien. Au corps à corps, c'est peut-être un peu mieux. On va rentrer. Rentrer par le nord au cas où. J'aime bien l'entrée sud, elle est pas mal. Rentrer par le sud.
Arrivé devant le camp, on va y aller plutôt en mode bourrin pour essayer de... Bon, je fasse pas 3 heures d'épisode pour arriver jusqu'au boss. On va y aller. Hop. Et de les dégommer, normalement, il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Moins vers jusque vers le boss. On verra, mais. Le boss vers le chef de village. Je l'ai tué en deux flèches, d'accord. Je vais monter voir ce qui se passe. Va venir plus tôt, non? Derrière le poteau là. Ah. Attends que lui se réveille, on va voilà. Pas gros ça. Allez. C'est quand même d'essayer d'aller le plus vite possible. J'en ai 3-4 d'un coup. Peut-être dégommer celui de derrière là. Vas-y, attaque-le. Faut-il monter notre compétence en arc comme ça? Paf. On sait qu'un coup de lame en bronze, ça suffirait. Est-ce qu'on s'embête avec les objets des. À rapporter. On va pas s'embêter trop avec les sacs. Ouais, on va essayer vraiment de rush jusqu'au boss pour les besoins de la vidéo. Je suis déjà venu pas mal de fois dans le camp barbare, donc j'ai de toute façon pas mal d'équipements derrière le mur. On s'arrêtera peut-être juste vite fait vers les... Allumer le feu. Ouh, on est mal. Pas cool. Parce... Ah non! Ils ont amené du renfort. C'est pas grave. Attends. F, comment ça va? Bien, tu te mets à la Ah, j'ai oublié de mettre de la nourriture, mince. J'avais dit que je voulais en faire plusieurs d'un coup, mais quand même, il y avait des limites. Et le bouclier, je pense, un petit peu. Voilà, déjà en moins. Allez, Def, remets de la vie. Pas qu'elle meurt. Voilà. Allez, lui. Allez, ça va healer. Hop. On va putain, t'as le temps de mettre un bandage. Moi aussi, il faudrait que j'arrive à en mettre un. On va fuir un petit peu. Hop, un petit bandage. J'arrive à moi. Quand même 400 points de vie. On ne respire plus.
Est toujours là. Et Def, elle est où? Ah, ça se trouve, elle est morte. Ah, j'ai mal géré ça. J'ai vraiment très mal géré ça. Bonne nouvelle, j'ai survécu et en fait, en cherchant Def, elle est pas morte, elle a été capturée, c'est génial. Enfin, génial. On s'entend, mais je vais virer ce raccourci-là. Ça fait, je savais pas qu'il pouvait capturer, donc je sais pas si elle a été capturée dans le village. Ou si. Bah si, elle doit être capturée dans le village, ça paraît logique. Du coup, c'est cool, ça va faire deux trucs à faire. Libérer Def et tuer le chef. Je savais pas qu'il pouvait nous capturer des persos. Donc ouais, en face, ça a l'air d'être dans le village. Des fois, il y a des prisonniers hein, quand on rentre dans le village, mais du coup, ils peuvent nous capturer aussi nos PNJ. C'est génial. C'est génial, c'est bien fait. Du coup, je suppose qu'elle est par là. C'est ça, elle doit être enfermée là. Et bon, on va essayer d'aller la sauver. Mission sauvetage d'Eve. Et puis, alors, tac, tac, tac. J'ai un bouillon de viande. Est-ce que je peux prendre un autre truc de nourriture? Là, je crois que c'est pas mal. Ça m'augmente la défense pendant 10 minutes, ça. Ouais, je peux les cumuler. J'ai vu qu'on peut cumuler les buffs. Viande. Les différentes. Je vais y aller tout seul. Je pense que ça devrait passer tout seul. Si on n'allume pas 10 fois les feux de garde, là, j'ai vraiment pas fait gaffe que lui, il allait courir comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Va pas falloir qu'on tarde trop non plus. Là, on va vraiment y aller un peu plus. À l'arc. Non, j'arrive. Allez, c'est parti. Allez, parade en anticipant, en comprenant qu'il faut anticiper et pas avoir un trop bon réflexe, finalement ça se fait plutôt bien. Tu veux garder ton arc coûte que coûte? Voilà. Tac. Elle. Et. Il reste du monde là. Viens par là. C'est bon. Okay. Là. Un peu du haut là. Un peu du haut là. Lui, il va allumer un feu encore. Alors, on va casser lui. Il va allumer l'autre, du coup. Moi, lui, ils peuvent plus l'allumer. Arrête de te cacher, arrête de bouger. Un niveau d'alerte vigilant, d'accord. Ah mais non, c'est peut-être qu'elle était trop loin de sa zone. D'accord, c'est peut-être pas qu'elle partait allumer le truc. Une alarme, ça. Ah. Je tape à la main. C'est une nouvelle technique, pourquoi pas. Ah mince. Voilà. Peut-être qu'en niveau d'alarme, ils vont venir un petit peu plus à leur rigueur, pourquoi. Peut-être pas mal. Raté. Ouais. Allez. Alors on va aller voir les. Je vais peut-être regarder pour les artisans. Barbare, il y en a tout. Ah, un là. Tâche pour bien. Les prisonniers. Elle est morte en salto arrière comme ça. Waouh! Balèze. Ok.
On anticipe un petit peu trop quand même. Voilà. Les morts, c'est bon. On s'acharne pas sur les morts. Tac. Alors, ce que je voudrais voir, c'est. Petite main. C'est sur cela là qu'on peut apprendre les. On peut apprendre leur tenue sur les petites mains. On va essayer si on peut de dissuader la petite main. Et de ne pas la tuer surtout. Arc, c'est l'autre qui est derrière là, la petite. Hop. Normalement, la petite main, c'est lui là. Petite main, c'est lui, c'est le plus petit. On va essayer de pas le tuer et voir si on arrive à apprendre la technologie. Peut-être en train de déclencher un petit peu l'alarme. Pas grave, je vais y aller assez vite. Progresse en arc, hein, toujours. Quand même. Là, il faut peut-être que je me soigne un petit peu quand même, malgré tout. Et donc là, il y a la petite main. Il y a qui à côté? Petite main aussi. Les deux, c'est des petites mains, du coup, on va voir. Pense pas que lui, il paraît grand. Oui, la petite. Le bouclier pour y aller un peu moins fort. C'est toi la petite main. Hop, hop, toi je vais te dissuader. Toi aussi si je peux. Alors, faut pas taper fort là. Pas que je le contre même. Ça risque de taper trop fort. Hésite à se laisser taper. Voilà, hop. Ça met un message ou pas? C'était un artisan. Alors lui, par contre, du coup, on va essayer de le garder quand même. Lui, c'était compétent, juste petite main. Donc lui, hop, on peut l'achever, pas de souci. Est-ce qu'il nous a appris un truc là? Alors, ouais, à la rigueur, c'est. C'est peut-être plus très utile maintenant, encore que ça permettrait de d'habiller nos équipements en cuir. Et là. Donc là, on n'a rien appris, sinon ça le mettrait vert. Ok. Et, par contre, lui, ouais, on va essayer de le garder. Un peu compliqué quand même. Il faut que je le mette à la sortie du village quand même au cas où. Parce que là, un artisan, ça peut quand même être pratique. Hein. J'avais un travailleur jusque-là, mais j'avais pas d'artisan. Minot prisonnier à l'abri, j'ai avancé un petit peu, j'ai fait le ménage, j'ai tué les deux feux, enfin le deuxième feu plutôt. Donc là, c'est la partie, je pense, qui commence à être un petit peu plus compliquée. On va y aller tranquillou, et c'est là que je voulais prendre peut-être le deuxième arc, ce sera peut-être un peu mieux. Ben, c'est bien s'il y en a un autre qui vient tout seul sans de tout aggro. Ah mince, c'était peut-être un. Qu'est-ce qu'on a de beau là, du coup? Chasseur. Courir. Guide. Un garde, peut-être. Garde, ouais. On va pas faire. On va pas faire de la dentelle, hein, on va y aller. Ah bien ça amène. Oh, one shot lui. Ok. Pas mal. Ah oui, j'ai changé l'arc, c'est vrai.
Plutôt pas mal du coup. Alors là, on s'approche. On s'approche d'où là? Ok, donc F. On va passer. 1, 2. Chef de la tribu des pierres, il est là. Accompagné. Hein. Comment je fais? J'essaye d'aggro. Est-ce que ça en aggro plein? Ça a pas gros le chef. Ça les couche là, ces flèches là, c'est vraiment. Ouais, toi, t'es garde, t'es con. Garde. Biche, je peux te tuer. Jamais si on avait un deuxième artisan ou un deuxième travailleur à pouvoir prendre pour le camp, ça aurait pu être plus pas mal, mais c'est pas. Là, le chef, il est où? Toujours là. Très malin. Deuxième là-haut. J'aimerais bien éviter de prendre les trois d'un coup quand même, parce que ça peut piquer. Il faudrait reculer un peu. J'ai peur que ça repop aussi rapidement les autres. Est-ce que c'est pas le moment de. J'adore vraiment comment ça vit. Vraiment garder le chef seul, mais presque. Hâte de te décaler. Voilà. Voilà. La tribu des Crovenimer a lancé une attaque. Oi, oi, oi. Alors ça va faire mal. Ça peut m'aider. On va devoir débouler un tas de. Je pense qu'il y a le chef qui est aggro là, ça y est. Ouais, chef de la tribu des pierres. Alors on va voir un tas de venimeux arriver. De se faire le chef avant quand même pour pouvoir fuir. C'est du poison ça? Pas fait là. Alors je suis déjà venu sur un camp quand il y avait eu une attaque des crocs venimeux qui balançaient des excréments. Et le moyen de s'en débarrasser c'était du coup de. Peut-être que je dégage. Ah non, c'est. Le moyen de s'en débarrasser, ah, c'est des flèches empoisonnées. C'était d'aller dans l'eau. En fait. Bandage simple. Alors. Voilà, c'est limite. Voilà. F, ouais, il. C'est mal quand même. Les crocs arrivent pas. Il a. D'accord, il est revenu au max. Je vais prendre un petit maïs en même temps. On a réussi à éliminer l'autre, pardon, c'est bon. Là, je pense qu'il a perdu l'aggro là. Et là, il n'y a plus que lui là. Alors, on va se remettre la vie à. Je vais mettre les bandages de qualité, j'en ai que deux, on va mettre à la place de là, tac tac, ça va me remettre 30 points de vie, on va aller plus vite. J'espère que ça va, ils ont pas l'air d'arriver, c'est cool. Enfin, élite, ça va être balèze. Hein. Et où Def là? C'est une autre pièce, après je vais jamais aller plus loin, je suis jamais venu jusqu'à.
sera sacrifié dans 1h30. Ouh, va falloir aller la sauver. J'avais pas vu ça. Ok, bon allez, let's go. Toute la vie, on a les bandages. Ah là, de... Oh, je tire pas là. Pas sûr de gagner un combat à distance en fait. Il me tuera. Et il est à presque la moitié, si quand même, mine de rien. Avec les bandages, ça peut le faire à distance comme ça. Je suis pas sûr que. Alors si sans l'armure. J'aurais peut-être pu. Je sais pas si j'ai de l'anti. Pourquoi je le rate autant? Alors là, il esquive, je veux bien. Un truc. Heureusement qu'il y avait le bandage. Ouais. faut le faire au. Je pense qu'il faut que je le fasse à distance. Hein. Parce que là, clairement. Ouais, ça aurait été bien que j'ai def avec. Encore qu'elle se serait fait massacrer, à mon avis. Allez, on se remet la vie, on réessaye encore. Hein. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Ouais, faut que je sois meilleur. J'ai plus 25 flèches, faut faire pas ça. Là, si j'arrive à le. Pas mal. Esquive. Plus beaucoup de vie, il est mal là. Et... Pénible. Je l'ai eu? Bon, en fait, c'était pas si compliqué une fois qu'on l'a vite. C'est lui ou pas? J'espère que ça me. Ouais, si, c'était lui. Oh la vache. Ok, niveau 4, 4. 4. Pommade d'activation de sang. Restaure immédiatement les PV 10%. Oh, pas mal. Pomme de thé. Non, c'était. Ah, mais c'est pas lui en fait, du coup. Os. Flèche empoisonnée. Mais je pensais que c'était le. Ok. C'est pas le. Bon, ça me paraissait trop simple. Mais qu'est-ce que ça va être le boss alors? Oui, 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 oui. Là-haut, grand prêtre de la tribu. Chef de tribu des barbares. Pas lui le chef. Autre.
Eu, on est d'accord, hein. Il va y avoir un autre chef encore. On va y voir, c'est peut-être le grand prêtre en fait, hein. On va reprendre l'autre. Ouais, j'ai pas assez de compliqué. On va prendre lui. Tac. On va voir. On aille sauver Def. Elle est là-haut sur l'autel de sac. Allez, c'est pas. Ouais, l'épisode. Alors, j'ai aucune idée parce que j'ai coupé pas mal de passages. Donc, combien l'épisode va faire? Mais du coup, ce qui est sûr, c'est que ça va être plus long que d'habitude. Pas par où. Offre du chef. Ah, bah, c'est plus bête. Rien là-dedans. Un de la tribu des pierres. Et. Dommage. Rien d'exceptionnel. Ok. Il faut passer par là. Coffre là. Je pense pas. Les coffres n'ont pas l'air beaucoup mieux ici qu'au début du camp en fait. Importe. Barbare, barbare. Allez, on enchaîne. Voilà, je suis arrivé. Alors, j'ai nettoyé tranquillement. Là, ils ont des alpagas aussi. Trois alpagas, ils ont des capybaras là. J'ai nettoyé un petit peu là. Et ça y est, je suis devant le vrai chef cette fois. Il est là. Alors, il y a le prêtre qui est en haut. Et il y a le chef de la tribu des pierres. Et en plus, il a un léopard de la jungle niveau 15. Donc là, ça va être chaud. Je vois pas comment je vais y arriver tout seul. Mais bon, pourquoi pas. Petit à petit comme ça, pas tirer. Je l'ai eu là? Non, même pas. Voilà. Ça tire. Je vais pas attirer le chef. Aussi. Est-ce que c'est une petite main lui? Toi, ouais. Toi. Marcheur nocturne. Ah, si j'arrive à avoir les deux sans le grand chef, là c'est pas mal. Là, je sais pas si. Si je peux avoir le léopard sans le chef ou s'ils si sont liés tous les deux. Combien de temps il me reste là avant le. 1h18. D'accord. Ah là c'est ce que. Prendre de riz. Attaque. Attaquer. Bon. Hop. Plus de place. Bois, qu'est-ce que pas de flèche quoi. Ah, le tri, s'il faut jeter des trucs, il y a largement de quoi trier. La viande putréfiée. Ok, et bah ben là, c'est là que les choses sérieuses commencent. Comment on fait? Comment que c'est qu'on fait? Si quelqu'un a une idée, ok, tac, je prends 15 flèches et je. On va se faire déjà comme ça pour pouvoir avoir les deux arcs là. On se ferait pas d'abord le léopard si on peut. Et on va voir. Protéger son léopard. Ah! Pourquoi? Pas cool, pourquoi j'avais pas le bouclier là?
Il fait peur, lui. Oh. Il fait peur. J'aurais préféré, comme tout à l'heure, pouvoir le dégommer. Pas mal, par contre. Javelot à distance et qu'on les voit bien comme ça. Et... Par contre, j'en prends un, je pense que ça peut faire mal. Ça reset. Je descends l'escalier, ça le reset. Ah, j'étais sur le petit arc. Eh, est-ce que le... Ah non, c'est peut-être quand j'ai voulu remettre le bouclier. Peut valoir le coup quand même d'essayer juste la panthère au petit arc. Voilà. Plus de léopard, ça c'est fait. Peux découper lui. Et je peux mettre viande. J'ai essayé quelques fois de le faire. Je pense que le plus simple, ça va être au corps à corps. J'ai fait de l'aggro là. Pour me mettre un bandage, je suis sûr que même si 5 secondes. Voilà, si j'arrive à descendre un petit peu, et qu'est-ce que tu as toi? Un bandage et qui mettre la vie. Je vais garder, il me reste un truc qu'on a loot tout à l'heure là. Attendre de revenir au max, hein. S'il vient pas, la rigueur, pourquoi pas. Hein. Et de revenir à ma vie au max. Il y a combien? C'est toujours comme ça, donc c'est pas mal. Le bandage, c'est pas mal. Je vais m'en remettre un juste avant d'y aller. Il me touche, il déplace. Et il est à la moitié là. Et à la moitié, c'est peut-être pas mal, hein. J'arrive à le tenir comme ça. Ça se fait que ah, j'ai pantalon. Ça se fait que j'ai plus autant de points de vie. Voilà, je vais pas le contrer, ça c'est bon. Voilà, allez, allez. Oui, je l'ai eu. Ouais, le corps à corps, c'était vraiment la meilleure solution. Alors, j'aurais peut-être pu prendre un petit peu moins de temps là à l'arc, mais bon, ça a permis de bien aider. Alors, qu'est-ce qu'il m'a donné? Ah ben, un nouveau pantalon, justement. Collier en os de bête. C'est mieux ça. Tac. Tout ce que je peux prendre et surtout 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 alors maintenant on a eu quoi? Pot de serre, ouais d'accord, pourquoi pas, de l'hydromel, récipient de culte pouvant servir à invoquer des créatures spéciales que l'on ne peut trouver qu'auprès des chefs de camp tribaux. Ok, donc on a le récipient qu'il nous fallait, bijou en argent, j'avais vu ça aussi. Ok, tête de maïs, bon, après le reste c'est pas foufou.
Mais bon, on a le principal, peinture. Qu'est-ce que je peux virer là? Il y a plein de... Ça va rien. Pochette. Oui. Surtout prendre ça. Et on n'a pas fini, hein, parce qu'il faut qu'on sauve aussi. On sauve. Alors les graines à la rigueur. On peut prendre sel, j'en ai pas besoin. Galette. Pommade coagulante. Restaure immédiatement les PV, ça c'est. Hein? Et puis. Après. Ok, donc là il s'agit de ne pas mourir et de sauver Def maintenant qui est là-haut. Alors c'est pas fini du coup. Hein. Est-ce que je peux pas. Il a pas un truc à manger là sur lui des fois? Montre la satiété. Non, c'est nul. Ouais. Alors, on va se manger un bouillon de viande pour remettre 100 PV max. Et on va manger. Point de satiété. PV après. Un truc qui augmente les PV max de 10. Ok, bon, on a fait le boss, c'est pas le tout maintenant, mais il y a encore du boulot pour sauver Def. Hein. Ok, et peut-être de les faire un par un. Là, eux, c'est que des hey, prêtres. Qu'est-ce que ça fait, prêtre? Les gardes, ok. Il y en a 5 là. Par un. Allez, et 2-1. Hop. Là, ça rigole pas là. On est en mission sauvetage de Def. Je pense qu'il reste pas tant de temps parce que j'ai quand même mis du temps. Et d'examiner un petit peu et puis voir un peu les mécaniques du boss là. Bien s'il reste là-haut. Tac. Suivant. Ouais, suivant. Qu'est-ce qu'ils ont? Être garde, d'accord, et lui, être garde niveau 18, juste. On va voir, hein. On va voir, mais. Jamais crié victoire. Quel grand. Empoisonné. Flèche empoisonnée. J'ai pris une flèche empoisonnée. Ah, c'est le grand prêtre qui m'en. Ah oui, non, mais alors là, il s'agit absolument pas de mourir maintenant, là. Hop. Ah, désolé, mais. Pas fait tout ça pour mourir maintenant. Tac. Allez. Hop. Alors, réinitialiser, c'est pas grave. Alors, s'il est à l'arc, c'est pas si mal. Ça veut dire qu'au corps à corps, je ne vais pas être si fort et je devrais. L'avoir. Alors petit conseil, hein, si vous venez, faites un grand max de flèches là. Des flèches doubles. Pour le premier mini-boss, là pour le deuxième. Il n'y a plus personne. Y a plus... Allez, c'est parti. Ouais, c'est compliqué. Voilà. Voilà, normalement là. Parfait, le grand prêtre fait check. Pareil. Alors, comment la libère? Wouhou! F, sauvetage. Super.
Est-ce que... Oui, elle a tous... Ah non, ils lui ont pris... Ah non, c'est bon. Femme en bronze, j'avais peur. Et son bouclier, je lui avais filé un bouclier. Mon bouclier en os, ouais. Bah, si ça, c'est pas beau. Elle a juste faim. Elle est... Alors, on va peut-être lui filer des trucs. Lui filer bah, plein de trucs. Va permettre de récupérer. Voilà. Et pourquoi ça m'a pas validé la quête? Rendez-vous au camp de la forêt, chef des tribus barbares, obtenez un récipient de culte. Et où le récipient? C'est où, Def? C'est fait. C'est où? Elle a fui. Bah non, ça sert à rien. Et ben, mission réussie. Sauvetage. Alors, triple mission réussie. Hein. On a tué le boss. Non sans difficulté, mais on l'a tué, le vrai boss. Le grand prêtre. On a sauvé Def qui avait été capturé. Ben, c'est vraiment génial. Est-ce que. Oh, les petits bébés alpagas. Là, j'ai plus rien à faire dans le camp, je pense. Hein. Tiens, ça a pas repop. Ça, c'est cool. Est-ce qu'il n'y a pas une sortie rapide? Sortie de secours. Exit pour les personnes malades, les personnes fragiles. Il y a juste ça. Et ben, bon, de toute façon, voilà, c'était l'objectif de la vidéo. Objectif accompli. Je suis plutôt content, c'était tendu, je pense que j'étais vraiment pas sûr d'y arriver tout seul, devoir revenir 2-3 fois. J'ai réussi sans mourir, j'ai passé à deux doigts 2-3 fois mais sans mourir, donc quand même content. Du coup, bah, on a fait ce que je voulais faire dans la vidéo, on a fait les premières armes en bronze, on est venu tuer le boss. Alors pourquoi ça me valide pas la quête par contre, je ne sais pas. Il en faut plusieurs peut-être, du coup, c'est peut-être ça. Sera sacrifié. Non, c'est fini, ça ne sera plus sacrifié. Est-ce qu'il en faut plusieurs? Est-ce qu'il faut que j'aille à ce camp de barbare là aussi chercher le récipient de culte? Je sais pas. Là, j'en ai quand même un, donc parce que je peux faire en plus, ça m'a validé le succès team. Donc, dites-moi en commentaire si c'est qu'il faut plusieurs récipients de culte du coup. Et puis, battez. D'accord. Je sais pas. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi, je suis assez content. Je vais pas pouvoir sortir de vidéo avant le week-end prochain. Je suis en formation toute la semaine en déplacement. Je suis désolé. Alors, est-ce que ce sera le moment? Non, j'aimerais bien faire une vidéo. Alors, même si ce sera beaucoup trop tard, sur le premier boss au moins. Voilà, sur le premier boss. Alors, je vais voir ce qu'il faut. Je vais continuer de peut-être aller faire ce camp-là comme ça tout seul en off. Ça va peut-être prendre une ou deux semaines pour faire une vidéo, 2 semaines peut-être pour aller tuer le boss, je sais pas. Et ouais, après je pense que voilà, pour faire l'armure en bronze, etc. Après, maintenant que le jeu est posé, dites-moi si vraiment vous voulez des vidéos pour des vidéos, on va dire. Et ouais, c'est pas trop le but de la chaîne non plus. Là, je suis vraiment très 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 content de vous avoir fait découvrir ce jeu. Et puis bah moi je vais continuer d'y jouer de toute façon, donc peut-être que ouais, je ferai peut-être des vidéos comme ça sur les boss à la rigueur. Je pense qu'il y a encore un peu de boulot avant d'aller au premier boss. Allez, je vous laisse, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt. Salut!